痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se prend, c'est aujourd'hui au programme, on va parler du personnage d'Hinata. Je vais jouer carte sur table directement, Hinata est probablement le personnage que j'aime le moins dans tout Naruto, si on exclut évidemment les personnages qu'on a jamais vus. Regarder le personnage d'Hinata, c'est à peu près aussi agréable pour moi que de manger un croissant rempli de punaises. Recouvert de jus de poubelle. Pendant que je me roule à poil dans les orties. Je l'apprécie pas trop. Mais en fait, quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai dû me poser la question, pourquoi je ne l'apprécie pas? Est-ce que c'est une simple question de préférence en mode ce que le personnage raconte ne me touche pas, ou c'est dans l'écriture même du personnage que ça coince? Eh bah pour Hinata, c'est encore plus complexe, vous allez voir. Bref, pas besoin d'aller plus loin sur l'intro, donc je vais rappeler 2-3 petites choses comme à mon habitude avant le début de l'analyse. Il s'agit d'une vidéo où je vais analyser le personnage d'Hinata dans son écriture, et ça c'est très important à comprendre. Le fait que je ne l'apprécie pas ne va avoir aucun impact sur mon analyse, puisqu'on va se concentrer sur le fond. La qualité d'écriture d'un personnage n'est pas foncièrement un révélateur absolu de votre appréciation de ce dernier. Tahiti Bob dans Les Simpsons est extrêmement limité niveau développement et niveau fond, mais ça n'empêche pas d'être le meilleur des personnages. Et à l'inverse, un personnage aussi profond que Lisa Simpson ne fait pas l'unanimité, parce que même si elle a tout ce qu'il faut niveau background et messages à véhiculer, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc Hinata aura beau avoir des choses intéressantes à raconter, ce que je reconnais volontiers, ça ne signifie pas qu'il faut l'apprécier. N'écoutez pas les gens qui disent « le plus important c'est le fond ». C'est complètement faux. Le plus important c'est comment c'est raconté, et surtout comment vous le percevez. Shoji peut être le meilleur personnage selon vous, alors même que son développement n'a pas la profondeur d'un Itachi par exemple. Et sinon, pour l'organisation, je vais analyser ce qui pose problème dans l'écriture du personnage d'Hinata dans un premier temps, et ensuite on va partir sur une sorte de what if story pour l'écrire de la meilleure des façons possibles. Vous allez voir que la Hinata du Aspros Verse est 1000 fois meilleure, et que c'est clairement une candidate pour être votre personnage féminin préféré. Et puisque j'entends que j'ai titillé votre curiosité comme Titi viendrait titiller le gros minet, on va pouvoir commencer. Oh oh oh, cette rêve de vieux. Alors, le personnage d'Hinata raconte quoi? Comment est-il construit? Quel est le problème de souci qui fait que j'aimerais me servir de ses cheveux pour nettoyer le fond de ma cuvette après un passage au restaurant indien? Eh ben, je pense pouvoir expliquer tout ça en articulant mon développement autour de 5 points. Numéro 1, un arc inachevé. Hinata a vraiment bien commencé. C'est la descendante d'un des clans les plus prestigieux de Konoha. On apprend que c'est l'héritière de ce clan, mais qu'elle a été reniée par son père parce qu'elle n'avait pas le talent nécessaire pour être la patronne. Son père la voyait donc comme une ratée, et à force de l'entendre et de sentir ce détachement, elle a fini par se persuader que c'est vrai. Hinata démarre donc l'aventure en tant que perso qui n'a aucune confiance en elle, qui n'a pas les épaules et la carrure pour devenir ninja, et qui semble même subir ce qu'elle fait. Sauf qu'en voyant que Naruto subit le même traitement, mais en 1000 fois pire, en voyant ce gamin qui part d'encore plus loin, mais qui lui n'abandonne pas pour briser cette sorte de plafond de verre, elle est inspirée. Elle est inspirée par ce petit bonhomme qui suit son Indo, ce qui l'incite à en faire de même et à se rebeller contre Neji. On a donc un personnage qui passe de fille qui possède autant de volonté qu'une moule dans un filet, à une Kunoichi déterminée à changer, qui ne fuit pas et qui démontre un courage, une ténacité et un Indo que très peu ont montré jusqu'à présent dans l'œuvre. Je vais même aller plus loin, je pense que la volonté d'Hinata est peut-être l'une des plus importantes du manga en général parce qu'elle a littéralement fait face à un mur insurmontable en la personne de Neji, mais elle ne s'est pas défilée. Ses organes étaient touchés, elle risquait de claquer pour un simple examen, mais elle a refusé de se soumettre face à l'adversité parce qu'elle tenait plus que tout au monde à ne pas décevoir Naruto. Ce niveau de volonté a été rarement atteint dans ce manga. Et ça vient de moi, le hater numéro 1 d'Hinata. Elle représente donc un personnage qui a changé, une chenille qui s'est transformée en papillon et la représentation de l'inspiration de Naruto. Naruto veut absolument que les gens reconnaissent sa valeur, et ben en étant capable de faire changer quelqu'un du tout au tout comme ça, c'est qu'elle a reconnu sa valeur. L'imitation est la plus sincère des flatteries. Mais bon, si je dois résumer, en très peu de temps, on nous montre Hinata descendant d'un clan exceptionnel qu'elle ne peut satisfaire en raison de son manque de talent. Renfermement sur elle-même, prise de conscience de sa condition, abandon successif de tout ce qu'elle entreprend, inspirée par Naruto à toujours faire mieux, à ne pas se laisser intimider, changement drastique de comportement, nouvelle Hinata, prêt à sauver la daronne de Neji. Elle va donc subir un développement de personnage très humain, un peu rapide mais parfaitement cohérent, et j'arrive pas à imaginer une personne rester de marbre en la voyant se relever encore et encore contre Neji malgré ses ventricules éventrés. Jusqu'à là, c'est un bon personnage, voire même un très bon personnage en fonction de votre ressenti sur les thèmes abordés. Et j'ai même pas encore traité les Yuga. Enfin, techniquement si, vu que j'ai traité Hinata, mais bon, t'as capté. Et du coup, avec cette base, comment on a fait pour tout foirer après? Eh bah tout simplement en s'arrêtant.
Hinata n'a juste plus été développé par la suite parce que c'est un personnage secondaire qui a subi le même traitement qu'un Rock Lee. En fait, un des trucs qui me pose le plus problème dans Naruto, c'est le traitement des personnages secondaires. Alors attention, je comprends la logique dans le sens où ils vont avoir leur arc narratif et qu'une fois qu'il est complété, on passe au personnage suivant. C'est juste que c'est ultra frustrant quand il s'agit d'un personnage avec ce genre de potentiel. Hinata partait très bien, on avait un boulevard d'opportunités pour elle, mais comme il y avait d'autres choses à raconter sur d'autres personnages, elle a été mise à l'écart et on ne l'a plus revue avant un moment. Souvenez-vous quand même qu'elle a eu le début de son développement pendant la phase éliminatoire de l'examen de Chunin, et la fin de son développement, 2 chapitres plus tard. 2. Dès la fin de son combat, l'intégralité de la narration autour des Hyuga est reprise par Neji et Naruto. Hinata a changé, certes, mais on ne la voit plus. C'est comme si je vous disais que mon rêve c'est de devenir le plus grand pâtissier du monde. Un jour je réalise mon rêve, et la seconde d'après je dis « bon bah je me casse, et vous me revoyez plus ». Oui effectivement j'ai atteint mon objectif, mais on veut le voir. On veut voir ce pourquoi j'ai travaillé aussi dur, on veut voir les fruits de mon travail acharné. Hinata a changé, mais uniquement le temps de 2 chapitres. Après son combat contre Neji, la nouvelle Hinata a disparu, et on ne la revoit plus jusqu'à l'arc Pain. Elle a fait partie de la mission pour retrouver Itachi, mais elle n'a eu aucun véritable rôle qui n'aurait pas pu être pris par un Hyuga random avec le Byakugan. Le changement d'Hinata est arrivé au chapitre 79. Et son apparition dans l'arc Pain, c'est au chapitre 437. 358 chapitres pour qu'on voie Hinata faire quelque chose d'intéressant. Et on en reparlera dans la partie 2 de cette vidéo, mais la partie avec Pain a été clairement moins bonne que ce que beaucoup imaginent. Naruto est sur le point de se faire capturer par un mec capable de détruire un village. Konoha est blessé, personne n'est apte ou n'a les couronnes d'aller sauver Naruto, en dehors évidemment d'Hinata. Ça, effectivement, c'est cool, mais c'est inutile. Parce qu'en vrai, elle a pas fait grand chose de plus que ce que la Hinata d'avant avait déjà fait. Elle a expliqué qu'avant, elle abandonnait vite, n'avait aucune motivation, blablabla, et ça, c'est quelque chose qu'on sait. C'est même quelque chose que le personnage de Naruto sait, vu qu'on le lui a dit 358 chapitres plus tôt. Ensuite, il y a eu la déclaration qui n'a mené à absolument rien, mais genre rien du tout. Les fans d'Hinata ont dû hurler de plaisir en voyant ça, mais bon, Naruto il l'a juste ignoré. Jusqu'à la fin du manga, ça n'aura pas été remis sur la table. Hinata s'est déclarée dans le vent. Après, elle se fait pseudo-éliminer par Pain, Naruto pète un câble et Hinata redisparaît pendant 257 chapitres jusqu'à la mort de Neji. Et même là, c'est de la redite. Naruto avait des doutes, Hinata l'a poussé à aller de l'avant. C'est littéralement ce qui s'est passé avant son combat contre Neji. Rien de nouveau. Et c'est tout. Le personnage d'Hinata s'arrête ici, et après l'examen de Chunin, plus rien de nouveau, une stagnation définitive jusqu'à la fin du manga. Et l'une des explications de cette stagnation, c'est le numéro 2 de cette liste, sa dépendance émotionnelle envers Naruto. Hinata, après les éliminatoires de l'examen Chunin, est entièrement définie par sa relation amoureuse avec Naruto. Entièrement. Littéralement, rien d'autre. L'auteur ne savait plus quoi faire avec elle, donc il lui a donné le strict minimum. Elle n'existe que pour finir avec Naruto, ou du moins pour être là au cas où l'auteur décide de les mettre ensemble à la fin, parce que je pense qu'il n'était pas sûr lui-même de qui allait finir avec qui. Tout le développement d'Hinata, à savoir la jeune fille courageuse qui se rebelle contre les inégalités du système, a été mis de côté pour qu'elle soit le sexe intérêt de Naruto. Et un très mauvais en plus. Non pas que ce soit le problème évidemment, hein, c'est juste que la relation de Naruto-Hinata n'a pas du tout été développée dans l'œuvre. Naruto-Sakura fait clairement plus de sens et véhicule plus de beaux messages. Naruto-Hinata, c'est juste une fanfiction qui a dû attendre Naruto The Last pour avoir une explication bancale de son existence. Et on peut même rapprocher ça avec le numéro 3, la place de la femme dans Naruto. La place de la femme, c'est la cuisine! Évidemment, vous le savez, mais Kishimoto a vraiment du mal à écrire les personnages féminins, et on en a eu malheureusement trop souvent l'exemple. Son principal défaut, c'est qu'il a une vision très moyenâgeuse de la femme, et c'est pas forcément mauvais dans certains supports, comme un jeu vidéo où Mario doit encore et toujours sauver la princesse. Mais dans une œuvre aussi riche que Naruto, définir un personnage uniquement par sa romance avec un autre, c'est vraiment du gâchis. Et pourtant, il sait écrire l'animal, très bien même, et pas que les persos masculins. Genre Tsunade, elle est extrêmement bien écrite. Son histoire ne se résume pas à « je veux séduire machin ». Elle a un véritable développement, un background, des enjeux, des thèmes abordés, elle a une importance capitale à chaque fois qu'elle est sur le devant de la scène, c'est un super personnage qui n'a pas été écrit comme une femme. Et ça, sorti de son contexte, ça peut me valoir des problèmes. Promis, j'adore les femmes. Bon, j'avoue, c'est pas beaucoup mieux. Hinata n'a juste pas été mise en avant, on l'a vu en tout et pour tout 4 fois, donc son combat contre Neji, sa conversation avec Naruto avant la finale, le sauvetage de Naruto contre Pain et la mort de Neji. Tout le reste, c'est du remplissage sans intérêt où Hinata est juste la fille qui aime Naruto et qui l'observe derrière un cactus. Super le personnage, franchement, Kishimoto, tu pouvais pas faire mieux. Et pourtant, il y en avait des choses à raconter, genre le numéro 4, le traitement des Hyuga. Pourquoi on n'a pas développé le système des Hyuga dans le manga? On a la situation de base, branche principale, branche parallèle. Branche principale, esclavagiste, branche parallèle. Neji et son oncle font la paix, et c'est tout. On découvre par la suite que Neji et Hinata bossent ensemble pour le clan et que la Bunke et la Suke n'existent plus, mais c'est juste pas montré. Il y avait moyen de montrer la réconciliation d'Hinata avec son père, sa réconciliation avec Neji, son ascension progressive au pouvoir, l'enclenchement de la rupture avec les systèmes traditionnels des Hyuga. Mais non, Hinata est amoureuse de Naruto, donc Hinata va passer le reste du manga à faire « Naruto-kun, ah, il me regarde, je vais m'évanouir, ah !» Wesh...
Non mais franchement, c'est désolant. Et je pense qu'on pourrait résumer les 4 premiers points par le 5ème. Naruto est trop court. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais 700 chapitres, c'est trop peu pour développer un univers aussi riche que Naruto. Dites-vous que dans le manga, ça va à un rythme effréné, genre sans pause, on enchaîne les arcs comme vous enchaînez les pépitos devant mes vidéos, et même 700 chapitres n'ont pas suffi à tout explorer. Je pense honnêtement que rajouter une centaine de chapitres aurait pu permettre de développer les guerres, les événements majeurs, et dans notre cas de figure, les personnages secondaires comme Hinata. Mais vu qu'on aurait pu détruire le rythme, je sais pas si ça valait le coup. Une œuvre plus complète, mais avec des parties molles, ou une œuvre qui fait l'impasse sur certains événements pour offrir des pépites à chaque chapitre? J'imagine que chacun ses goûts. Mais enfin bref, voilà ce qui constitue les preuves de la mauvaise écriture d'Hinata. Globalement, c'est son manque de temps d'écran qui font que tout son personnage est rushé. Et là, vous allez me dire que Rock Lee est dans le même cas de figure, alors que je l'adore, donc aucune raison de ne pas aimer Hinata. Et quelque part, vous avez raison. C'est vrai que Rock Lee a fini son arc narratif au même moment qu'Hinata quasiment, il a plus rien fait d'intéressant de toute l'œuvre. Sauf qu'Hinata bénéficie d'un statut différent. Elle se destinait à être la future femme de Naruto, et tout son développement tourne autour de lui. Elle ne pouvait donc qu'être importante, mais ça a été super mal réalisé. Elle a été traitée comme un personnage limite tertiaire, alors que c'est un solide personnage secondaire. Pour moi, elle avait même le potentiel d'être un personnage secondaire du niveau de Shikamaru, mais l'auteur il sait vraiment pas écrire les personnages féminins. Et effectivement, il y a cette comparaison avec Sakura qui est évidente, genre les deux love interests de nos héros, sauf que l'une est vraiment intéressante, a un développement progressif et n'est pas définie que par son attirance envers son crush. Et l'autre s'appelle Hinata. Après, je peux comprendre que des gens préfèrent Hinata à Sakura, mais niveau développement, c'est bien plus profond chez Sakura. Ouais, vous avez bien entendu. Mais enfin bref, maintenant qu'on a vu que le développement du personnage d'Hinata avait quelques lacunes, bah on va les combler. Comment ce cher Aspros aurait fait pour rendre le personnage d'Hinata 100 fois plus intéressant, sans rajouter 100 chapitres de plus? Eh bah il va vous montrer. Bon allez, il est l'heure de rentrer dans la partie un petit peu what if story de la vidéo. Comme dit un petit peu plus tôt, Hinata avait un sacré potentiel pour être un personnage intéressant, mais elle a été mise de côté pour différentes raisons. Sauf qu'en vrai, il suffisait de quelques ajustements dans l'œuvre et Hinata aurait pu être l'un des meilleurs personnages secondaires de l'histoire, peut-être même la meilleure. Voici comment j'aurais écrit en reprenant les mêmes événements de l'œuvre, mais en les mettant un petit peu plus en avant. Déjà, première apparition, l'examen Chunin. On conserve la quasi-totalité de ses actions ici. Lors des éliminatoires, elle va avoir le même conflit d'intérêts avec Neji. Neji va lui reprocher son statut de membre de la branche principale alors qu'elle n'a pas le caractère pour. Hinata sera marché dessus tant niveau psychologique que niveau combat. Neji va la détruire sans difficulté, certes, mais le plus important, c'est qu'on va avoir la première évolution de ce personnage. Hinata a zéro confiance en elle et elle est très clairement sur le point d'abandonner avant même le début du combat. Neji est sur le point de remporter la rencontre, mais Naruto, la machine à hype, l'encourage à ne pas se laisser faire. Elle, qui n'a jamais eu confiance en elle, est désormais soutenue par la personne qu'elle admire le plus. Naruto croit en elle et c'est une raison suffisante pour faire naître une nouvelle Hinata. Une Hinata confiante en elle, une Hinata qui n'abandonne pas. À la moindre difficulté. Mais surtout, une Hinata qui a enfin une raison de se battre, à savoir changer. Elle veut changer, ne plus être la personne sans ambition et sans motivation. Elle veut avoir la sensation de valoir quelque chose, et c'est avec les paroles de l'homme qui l'inspire qu'elle va y arriver. À ce moment-là de l'œuvre, Hinata est passée de fille qui n'a aucune motivation et qui n'a aucun caractère, à fille déterminée, prête à tout pour changer, quitte à mettre sa vie en jeu. On ressent sa motivation à travers la raclée qu'elle se prend, mais sans pour autant qu'elle ne recule. Hinata a déjà une base solide comme personnage ici. Sauf que comme dit un petit peu plus tôt, son développement de personnage s'arrête ici, alors qu'en vrai, on aurait pu l'étendre tout le long de la première partie. Avance rapide, la phase finale. Dans la phase finale, Hinata n'a pas grand intérêt. Les deux seules scènes qu'on voit d'elle sont quand elle parle à Naruto pour le motiver à sa façon et quand elle crache du sang pendant le combat Naruto-Neji. La partie motivation, pourquoi pas? Hinata arrive à motiver Naruto qui avait des doutes à ce moment-là et à sa façon, elle a réussi à les dissiper. Elle a donc eu un impact positif sur Naruto et elle a agi comme soutien moral au personnage, donc c'est pas si mal. Sauf que pendant la phase finale, faut carrément changer son utilisation. J'arrive pas à comprendre l'intérêt de la montrer encore blessée un mois plus tard. Certes, c'est pas illogique vu qu'elle a eu ses organes de toucher, mais si l'auteur ne l'avait pas mis en scène, ça n'aurait pas créé à l'incohérence qu'elle se soit remise un mois plus tard, surtout dans un monde où on peut soigner les blessures internes avec le ninjutsu. Cette blessure a eu pour conséquence de l'écarter de l'intrigue, et je trouve ça quand même vraiment dommage. On partait bien avec le personnage, mais on la met de côté sans grande raison, alors qu'on aurait pu approfondir ce qui a été fait. Par exemple, au moment de l'attaque de Suna et d'Oto sur Konoha. Neji est à l'infirmerie après son combat, et il était épuisé, donc vulnérable. J'arrive parfaitement à imaginer un ninja lambda attaquer le corps médical, vu qu'éliminer ceux qui peuvent soigner est un excellent moyen de réduire les ressources militaires d'un village. Donc, un ninja s'infiltre dans les locaux médicaux pour s'en prendre aux blessés et aux ninja médecins. Neji est donc confronté à un véritable danger, un ninja de niveau Chunin ou plus, et vu son état physique après son combat contre Naruto, il n'a pas moyen de se défendre. Et là, t'as plein de solutions pour lier Hinata au scénario. Par exemple, tu l'as fait venir pour immobiliser l'assaillant avec son Juken en Tsum-Tsum. Même si Hinata n'est pas au niveau d'un Chunin, le Juken empêche l'adversaire d'utiliser son chakra, donc ce serait pas incohérent qu'elle puisse le coucher. Dites-vous qu'Onoki pourrait éliminer Hashirama s'il le touche avec son Jinton, et pourtant il est bien plus faible que lui. Ce serait pareil avec Hinata ici. Dans ce cas-là, il y aurait une mini-conversation entre Neji et Hinata.
Neji se demanderait pourquoi Hinata l'a sauvé après tout ce qu'il lui a fait subir. Hinata pourrait alors lui dire qu'elle se moque du système clanique des Hyuga en mode branche principale et branche parallèle. Elle a sauvé Neji parce que c'est son cousin et qu'elle ne veut pas le perdre. On pourrait alors tourner la conversation de mille et une façons possibles, comme en mettant en avant l'envie d'Hinata de mettre un terme à ce système qui exclut une partie de la famille. Elle a bien compris les souffrances de Neji et, pour lui, elle veut y mettre un terme. Les souffrances de la branche parallèle auraient vraiment été entendues, comprises par la branche principale, ce qui pourrait être un déclic supplémentaire à Neji pour changer. Naruto a promis de mettre un terme au système des Hyuga, mais Hinata s'en serait chargé, et vu que la motivation d'Hinata lui vient de Naruto, tout serait relié. Naruto a installé des doutes dans la tête de Neji, et il a motivé Hinata qui aurait suffisamment de confiance en elle pour mettre un terme au traitement de la branche parallèle. Hinata et Naruto auraient donc agi de pair dans cette affaire, ce qui est symboliquement plutôt beau. En plus, on sait qu'Hinata et Neji ont travaillé ensemble pour mettre un terme à ce système dans la partie 2, mais on l'a juste pas vu. Du coup, oui, ça existe, mais ça n'a presque aucune valeur à nos yeux. Ici, on aurait eu le moment où les deux auraient décidé de s'allier branche principale et parallèle, main dans la main, afin de briser ce cycle infernal de servitude. Donc, pour moi, il doit y avoir une confrontation Hinata-Neji ici, et je pense qu'Hinata, de la branche principale qui protège Neji de la branche parallèle, c'est vraiment ce qu'il fallait. Ça aurait semé les graines d'un changement d'organisation au sein des Hyuga, on aurait pu avoir un petit twist dans le sens où la branche principale protège la branche parallèle alors que c'est l'inverse de base, et on aurait eu une réconciliation et une prise de conscience de Neji sur sa relation avec Hinata. Désormais, les deux sont des alliés par choix et non pas par obligation. Ça aurait été parfait. Mais il y a également un autre scénario tout aussi bon, voire même meilleur. On reprend la même base, Neji explosé après son combat, il se fait attaquer par un ninja ennemi et Hinata intervient. Sauf que là, on peut lui laisser ses blessures internes. Elle va défendre son cousin, mais son état de santé est encore pire que celui de Neji, ce qui fait qu'elle va se faire soulever. Sauf que pour protéger Neji, elle va se relever à chaque fois, parce que je vous rappelle qu'Hinata a changé. Son courage et sa détermination sont maintenant ses principaux traits de caractère. Fini la fille qui manque de confiance en elle, nous avons Prime Hinata. Donc, elle se fait démonter le kiwi par le ninja ennemi, mais elle se relève à chaque fois. Neji tente d'intervenir, mais il n'est pas de taille parce que fatigue post-Naruto. Et là, Hiyashi intervient pour sauver sa fille et son neveu. On aura encore une fois le retour du questionnement Neji sur pourquoi Hiyashi le sauverait alors qu'il fait partie de la branche parallèle, et c'est à ce moment-là qu'il pourrait lui raconter la vérité sur la mort de son père. Neji aurait donc toutes les raisons de repasser du bon côté de la force comme dans la trame principale, puisque sa relation avec son oncle et sa cousine se serait un petit peu améliorée, c'est clairement un pléonasme. Mais surtout, on aurait pu avoir un passage qui montre le changement de relation entre Hinata et son père. Hiyashi aurait vu Hinata se battre corps et âme pour Neji, ce qui est à l'opposé de la Hinata qu'il a connue. On aurait pu avoir une scène du style « J'ai suivi en cachette ton parcours à l'examen Chunin et je dois reconnaître que tu m'as impressionné. Tu n'es pas la fille faible que je pensais que tu étais. Je ne t'ai pas soutenu parce que je suis aussi émotif qu'un tracteur, mais crois-moi que je tiens à toi et blablabla. » À ce moment-là, on aurait vraiment eu le moment précis où tous les personnages ont changé. Hinata est devenue bien plus confiante, elle est prête à se battre pour protéger ceux qu'elle aime comme Neji et mettre un terme à la situation des Hyuga. Hiyashi a vidé son sac auprès de Neji et a reconnu le talent de sa fille et sa nouvelle détermination. Et Neji a compris que le destin n'existe pas et qu'il peut travailler conjointement avec la branche principale pour forger son propre avenir. Tout ça, ça peut être raconté en un seul chapitre parce que ce sera plus interprétatif que démonstratif, mais l'effet serait là. Faire en sorte qu'Hinata ne participe pas à l'avancement du scénario pendant l'attaque de Konoha a clairement dommagé la construction de son personnage. Alors que la faire participer aurait pu solidifier son développement de personnage et avoir un impact extrêmement positif sur le développement des Hyuga. Et vous voyez, juste avec ça, on améliore énormément le personnage d'Hinata. Mais on peut encore faire mieux. L'arc d'après, donc la recherche de Tsunade, il n'y a pas grand chose à faire. Ça ne concerne pas Hinata, donc aucun vrai intérêt de la mettre en avant. Au mieux, on peut ajouter une page où on voit Hinata et Neji s'entraîner ensemble, ou même tout simplement être à deux. On pourrait donc voir que les deux sont devenus proches et que le principe de branche principale et parallèle se brise au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est censé être arrivé dans la série de base, mais ce serait cool de le montrer, ça nous engagera un petit peu plus dans cette narration et on aurait la sensation que le personnage d'Hinata est mieux écrit puisqu'il subirait une évolution progressive. On aurait donc une Hinata faible et sans volonté, qui devient une Hinata avec une volonté d'acier, capable de se battre d'elle-même, à une Hinata qui a suffisamment confiance en elle pour changer elle-même les pratiques de son clan ancestral. Hinata, qui n'a pas la force mentale de faire quoi que ce soit, devient un personnage capable de changer une pratique ancestrale par pure volonté et écoute de son prochain. C'est ce qu'on est censé comprendre dans la série de base, mais ça demande une certaine gymnastique mentale pour associer des idées à des actions. On se dit oui, elle l'a sûrement fait, mais on l'a pas vu, c'est vraiment se dire ouais, Hinata l'a sauvé Gotham City des attaques du bouffon vert, mais on le verrait pas, et ce serait pas du tout mis en avant. C'est terrible. Par la suite, on a l'arc de récupération de Sasuke, et là aussi, Hinata pourra avoir un véritable rôle. Dans la trame principale, elle n'a pas été montrée, mais ici, je pense qu'on pourrait lui accorder un rôle très important. Logiquement, vous avez compris lequel. Je pense qu'Hinata aurait pu prendre la place de Neji, et ça aurait eu plein d'intérêt sans pour autant être incohérent. Déjà, le contexte. Quand Shikamaru a dû recruter des Genin pour aller sauver les fesses de Sasuke, Neji a été un choix de première classe. Sauf qu'ici, on ferait 2-3 modifications. On pourrait se dire que Neji est absent parce qu'il est parti en mission avec son oncle. On aurait donc une information sur la relation entre les deux. Hiyashi prend soin du fils de son frère,
il prend soin de son héritage. Et surtout, il le voit comme suffisamment important pour être à ses côtés, lui le chef du clan prestigieux des Hyuga. Neji absent, mais Neji a sa relation avec son oncle qui est plutôt bonne. Ça, c'est cool pour son propre développement. Et concernant Hinata, elle pourrait vouloir aider Naruto au même titre que Naruto l'a aidé avec son cousin. Parce que oui, comme évoqué juste avant, Naruto est à l'origine de son changement de comportement et de son gain de confiance en elle. Il est également responsable de la remise en question de Neji, ce qui a eu un énorme impact sur son retour sur le banc des gentils. Hinata voudrait donc l'aider pour lui rendre l'appareil. Et Hinata est une Hyuga avec le même style que Neji, que ce soit au niveau combat ou au niveau repérage, ce qui fait que la permutation entre les deux sera assez facile à faire. On aurait donc exactement les mêmes scènes et la même situation, à savoir utilisation du Byakugan pour pister les cas du son et affrontement avec Kidomaru. Alors oui, Hinata n'a pas le niveau de Neji, mais est-ce que c'est une véritable barrière ? On sait que Naruto est capable de gagner en puissance quand la situation l'exige parce que sa volonté lui donne des ailes et même pas besoin de prendre un Red Bull pour ça. Donc Hinata, qui est autant inspiré par Naruto et qui aurait comme objectif de l'aider tout comme il l'a aidé, ça me paraît pas illogique qu'elle obtienne un power-up, même temporaire. Mais surtout, n'oubliez pas que cette Hinata a énormément gagné confiance en elle. Ce légendaire Gaimaito a dit que la confiance en soi est primordiale pour devenir meilleur et vu comment Hinata a changé, imaginez les progrès de Fifu Dingo qu'elle aurait pu faire entre temps. On pourrait même revenir sur l'une des réflexions de base, à savoir que le talent n'a pas qu'une seule forme. Hinata était mauvaise parce qu'elle n'avait pas la force mentale pour progresser, mais maintenant qu'elle est super volontaire, ses progrès vont se faire ressentir. Hinata aurait pu être présentée comme ayant un potentiel au moins aussi bon que celui de Neji, et là où Neji est devenu aussi fort par haine envers son clan, Hinata l'est devenue pour le protéger ainsi que ses membres. La boucle serait bouclée. Ensuite, exactement le même combat qu'avec Neji, même stratégie, même situation finale, tout pareil. On prend Neji, on l'échange avec Hinata, et vous avez le scénario. Le plus complexe, entre guillemets, serait de justifier la puissance d'Hinata, mais ça me semble pas incohérent qu'elle progresse aussi vite en ayant confiance en elle, tout comme Rock Lee fut un temps. Et sa puissance ne viendra en rien contredire l'échelle de puissance de la première partie. Sasuke s'est fait botter les fesses par Lee, mais il a exterminé Gaara pendant l'examen de Chunin en à peine un mois d'entraînement, donc ce genre de progression n'est pas choquante. Surtout quand il y a autant de volonté d'aider son crush, et quand on nous fait bien comprendre que son niveau a été impacté par son caractère de feuille blanche. Rien que dans la première partie, le personnage d'Hinata aurait été transformé, passant de petite fille sans intérêt inutile à véritable combattante capable de se battre pour ce en quoi elle croit. Non seulement pour protéger ses amis et sa famille, mais également pour faire évoluer la situation. Elle n'aurait pas été le personnage avec le fond le plus profond effectivement, mais elle aurait pu être portrayée comme un personnage important, ayant subi une réelle transformation au contact de Naruto et en étant au cœur du changement des Hyuga. Pour aider Naruto, elle aurait été capable de mettre sa vie en jeu et elle aurait fini dans le même état que Neji. Ensuite, passage à la partie 2, et il y a moins de changements à faire ici, vu que ce qui se passe ici n'est qu'une extension de ce qui s'est passé dans la partie 1. Mais j'ai quand même quelques petites idées histoire de la garder importante à nos yeux sans forcément impacter le scénario. Déjà, il fallait un combat contre l'Akatsuki. Toutes les équipes ont brillé face à l'Akatsuki, mais seule l'équipe Kurenai n'a pas vraiment eu son moment de gloire. Imaginez juste un affrontement équipe Kurenai contre un membre de l'Akatsuki, peu importe lequel. On aurait pu mettre non seulement Hinata, mais également Shino et Kiba en avant. Ou alors tu les fais affronter un ninja qui aurait pu rejoindre le groupe, ou tu crées un membre de plus pour un affrontement avec l'équipe Kurenai. Bon après oui, ça n'aurait pas une utilité folle, hein, surtout si on part du principe qu'Hinata a déjà brillé dans la partie 1, mais ça lui ferait conserver un petit peu de son prestige. Shino et Kiba seraient ceux qui en auraient le plus bénéficié, mais j'avoue que de voir un petit peu les stratégies en équipe d'une unité de track, ça peut être sympa. Mais évidemment, le grand moment d'Hinata dans la partie 2, c'est l'affrontement avec Pain. Sauf que là, il y aurait pas besoin. Enfin, du moins, on peut le conserver, hein, mais bon, ça change pas grand chose au final, vu qu'on sait déjà qu'Hinata est prête à sacrifier pour les beaux yeux de Naruto et qu'elle a le courage de se dresser devant une menace planétaire. Donc, la partie « Je sauve Naruto au péril de ma vie », c'est cool, complètement cohérent avec le personnage, que ce soit dans ma trame ou dans celle de l'histoire, mais ça aurait pu être plus utile à Sakura. Je pense que vous comprenez pourquoi, pas besoin de l'aborder ici. Mais le plus important, peu importe si on décide de mettre Hinata dans cette scène ou pas, il faut retirer la déclaration. Cette déclaration est, selon moi, le plus gros échec du personnage d'Hinata. Elle n'a servi à rien, elle n'a mené à rien, et juste après l'arc Pain, ça n'a jamais été remis sur le tapis. Donc cette scène a juste empêché d'autres scènes plus intéressantes, comme celle potentielle avec Sakura. On fera peut-être un épisode du même style sur elle quand j'y pense. Il y aurait pas mal à dire. Enfin bref, la guerre, on peut la mettre un peu plus en avant, mais pas réellement besoin. C'était pas une participante si importante que ça, et sa participation ou non n'a pas grand intérêt ici. On pourrait lui donner un meilleur rôle en mode travail d'équipe avec Naruto pendant la guerre, mais c'est déjà un petit peu ce qui a été fait, donc pas besoin de changer tout ça. Mais on aurait quand même bien plus cru à ce personnage avec ces micro-changements que j'ai proposés. Et là, honnêtement, ce serait un sans faute. On retire les défauts évoqués dans la première partie et on la rend carrément plus intéressante à suivre. Comme quoi, il suffisait simplement de la montrer un petit peu plus à l'écran pour qu'on y croit. L'exclure de la narration et nous laisser broder avec 2-3 infos par-ci par-là, c'était presque un signe d'abandon du personnage et ça nous empêche de l'apprécier comme il se doit. J'ai vraiment cette sensation que la majorité des fans l'apprécient surtout pour sa romance avec Naruto, alors que si on ne se concentre que sur son développement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en la mettant un petit peu plus en avant, on aurait compris plus facilement son développement, il aurait été beaucoup plus logique, plus progressif, et on aurait pu l'apprécier pour autre chose que sa romance avec le personnage principal. C'est dommage, mais bon, ouais, c'est un
un petit peu le style pourri de Kishimoto sur le traitement des personnages féminins. Hinata n'y a pas fait exception, et quand il dit qu'il sait pas écrire les romances entre personnages, il a pas menti. Mais enfin bref, Hinata aurait pu être un personnage incroyable, dans le sens où on aurait pu y croire, on aurait pu la trouver stylée, la trouver bien développée, mais tout ce qu'on a, ce sont des infos disséminées par-ci par-là en mode Dark Souls pour se refaire un scénario nous-mêmes. Faites-la interagir avec Neji et son père, et elle va gagner tellement de points. Ça demande vraiment rien comme changement, mais bon, la majorité des gens vont trouver Hinata incroyable juste parce qu'elle veut Naruto. Après, pourquoi pas, hein, qui suis-je pour juger, mais c'est clairement pas assez pour me faire embarquer dans le train de la hype. Mais allez, c'est tout pour cette vidéo. Selon vous, le personnage d'Hinata est réussi? Et le plus important, est-ce que vous l'appréciez, en dépit de son écriture? On en discute en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, un podcast sur les 10 types de profs. On va voir qui sont les vieux dans les commentaires.